original. Alors nous jouons avec Steven et Fabien pour une tablette tactile FFF. Bonjour messieurs. Steven ou Stephen? Steven. C'est Steven. Salut Steven. Steven, Moscato ou Dimeco? Vous osez me poser la question. Ah, t'es Marseillais. Bien sûr. Steven, Maryse et Eric Meco. Contre Fabien, Steven, je vous Dorian souhaite beaucoup, et Moscato. Beaucoup de chance pour le tirage de la Ligue des Champions ce soir, Steven. Ça, c'est pas beau, ça. Allez, c'est parti, 9 minutes. Je vous souhaite une belle... Ça le fait marrer, t'as vu, Eric? Oui, ça va faire rire, c'est simple. Par contre, quand il vient jouer au silo, il nous fait des lipettes. D'ailleurs, hein, j'ai réservé une date pour fin décembre, pour fin 2019. C'est intéressant. Au silo. Qui qu'a BFM TV? On y va. Qui qu'a BFM TV? Tout le monde. Qui a dit BFM TV. Gaulois réfractaire au changement. Martinez. On a l'impression. Corbière. On a l'impression qu'Emmanuel Macron. Attention, punchline, Pierrot. On a l'impression que Macron souhaiterait changer de peuple. Putain, Alexis Corbière, France Insoumise. Mais tous de gauche ou de droite, je sais pas, ils font que critiquer. Mais c'est leur rôle de l'opposition. Oh, mais non, c'est mais arrête, un peu de classe. On en a marre, là, ils gueulent comme des Vauquier et compagnie. Et mais rendez l'argent, c'est... monsieur Sarko, pas Sarko, Macron, rendez l'argent. L'autre machin. C'est intéressant. Ah oui, bah oui, oui. Ça, c'était la famille Bettencourt. Allez, un point pour Fabien et Kipo Scato. Question auditeur. On va enchaîner les questions auditeurs. Il y a 7 minutes, je vous rappelle. Steven et Fabien. Que la Golden peut tomber, elle peut arriver. Je te l'avais dit, on entrait. Steven et Fabien, le 1er août 1954, dans quelle ville se trouvait forcément Maryse et Vangépé? Le 1er août. Elle était pas née. Elle était née, Maryse, en 84. T'as dit 54. 54. Du coup, il a raison. 54, je me suis trompé. Il essaye de vanne. Elle était Maryse et Vangépé. C'est une erreur. Elle était dans les Alibos de son père. C'était la bonne réponse, Eric. Bonne réponse. Alibos. Steven et Fabien, il fallait répondre Alibos. Les Alibos. Le 1er août 84. Elle était dans quelle ville, Maryse? Excusez-moi. Oui, Steven. Los Angeles. Oui, bien, bien, Mino. Fabien, magnifique. Bonne réponse. Fabien, c'est une belle carotte. Non, mais le pauvre, c'est pas excuse-moi, cool. Excusez-moi, excusez-moi. Il avait la bonne réponse au début. Hein. Excusez-moi. Égalité. Oui, non, mais normalement, tu dois compter les deux réponses. On a tous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Annule-le. J'annule le point. Fabien, ouais. Mais non, ça fait deux questions. Il a répondu le petit. Non, c'est vrai, j'avais pas capté qu'il avait. Ça fait deux questions, tout simplement. Il a répondu le petit. Je prends pour moi, j'ai été nul. Donc j'annule le point. Fabien, il a dit. Elle était pas née, elle s'est 4-4. Il a eu la bonne réponse. Arrête, je vais te pas accorder. Mais il a reposé. Stop. Point annulé. Il pose, point il se trompe de point question. Annulé. Non mais André, tu vas t'arrêter. Point annulé. Arrête, Eric. Simplement. Fabien, il répond à la question de en 54. Non. Il a dit, elle n'était pas née. En fait, c'est pas la question prévue, donc on peut pas l'accorder. J'annule tout. Je suis nul, j'annule tout. Bon, voilà. Allez, on en reste à 1-0 pour Fabien. Chaque fois que vous dites non, bonne réponse, il annule lui. Mais je commence à bien faire là. Deuxième question auditeur, Steven et Fabien, je vous présente mes excuses, je vais essayer d'être meilleur là-dessus. Rico, c'est pas grave, reste concentré. Steven et Fabien, c'est pour vous là. On va le faire. C'est nul en plus. Le mardi 28 août 2018, à 16h42, dans quelle ville se trouvait forcément Maryse et Vangépé? Paris, Steven, bonne réponse. Oh, elle était en plein Moscato Show. Voilà, c'est comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a plus envie de bosser, lui ou quoi? Non, je te foutu une tannée, toi, si tu continues. Encore faut-il avoir la bonne réponse. Au moins. Je croyais qu'il allait me dire faut-il encore avoir Steven les bras. Steven a trouvé la bonne réponse. Allez, égalité un partout. Vas-y. Qui a dit? Je suis en direct de Monaco avant un tirage au sort ambitieux et prestigieux avec RMC Sport, Jean-Michel Aulas. Qui a publié ça, il est content d'être à MC Sport à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas. Pourquoi tu dis bravo. Non comme ça Non, tu parles. Pierrot, il fait des lipettes à Aulas sur Twitter. Il fait comme de l'aigle avec Bernard. Bienvenue, président. Il lui dit bien président, bravo président. On aura des chocolats. Vous êtes président et tout et tout. Tout le monde aura des chocolats. J'aurai des chocolats. Maryse Vincent, face à face. 2-1 pour Fabien Moscato. On regarde bizarrement Maryse. Maryse Vincent, face à face. Vincent, regarde Pierrot. Il y a trop de tricheurs derrière la vitre. Antoine, il peut me faire les gestes. Il m'a dit pour l'autre, il m'a fait la barbe. Non mais Maryse Antoine, Vincent. Tu fais rien, tu ne bouges pas, voilà. S'il te plaît Antoine Varnier, le producteur de Team Duga, tu arrêtes. Ce seul, on trouve pas une. Maryse Vincent, quel est le seul champion du monde qui est absent de la liste publiée par Deschamps Mandanda. Aujourd'hui Mandanda. Rapidité, bien joué, très vous l'aviez bien, tous bien, les deux. Très bien. Bravo, Steve Mandanda, il est blessé le pauvre. Donc ça fait 3-1 pour bien. Fabien, tu vois, je équipe Moscato. 4 minutes, attention à l'éventuelle Golden Carotte. Qui a dit
À Bruxelles, je vais aller à fond, mais je vais essayer de ne pas faire d'accident. Gassi. Non, la pas la Villeni. Ocon. Si je sens à l'échauffement que ça m'arrache le pied, je vais pas courir, mais normalement, ça devrait bien se passer. Non, Boss, il a arrêté sa carrière. Mario, Boss. Bruxelles, Lamotte, souvent blessé. Martino Lagarde. Martino Lagarde. Ah, mais c'est Vico. Pascal Martino Lagarde, la Ligue de Diamants à Bruxelles, ouais. Bien bravo Marie Zévangé. Ça c'était pour toi ça. Oh. Rien, il a galéré un peu, il se blesse souvent. Martino ouais, Lagarde. 3-2 hein, Fabien Moscato. Donc il va faire attention. Voilà. Lagarde meurt, mais. Je convoque le duo Dimeco Dorian. Noël Paris Saint-Germain, un petit peu. Là. Crève, 64. Radiophonique. 64. 5 quartiers. Ah. En foot, en ce moment là, qui est le sélectionneur de l'Espagne? Lopetegui. Non. Et non, c'est. Comment il s'appelle? C'est. Non, pas du tout, c'est Luis Enrique. Luis Enrique. Non, c'est pas. L'ancien entraîneur du Barça, Luis Enrique. Bien joué, Eric. C'est pas grave, 3-3-3. C'est pas évident, parce qu'on l'a zappé, ça. Tu vois, 3-3 égalité, bravo, Eric. Tu les as tous dit, mais sauf le dernier. Sauf le bon. Et oui. Égalité, 3-3, 3 minutes 30. Kikadi. Soyez convaincus de ma détermination et de notre lutte sans relâche pour que chacun de nous puisse. La porte. Bernard Laporte s'épanouir dans sa façon de vivre le rugby. Et si tu le citation de sa mère aussi, par les cogniers. Je pensais que c'était Mélenchon, moi, mais je. Ouais, mais il a envoyé une lettre au rugby français, Bernard Laporte. Voilà. Il veut protéger les joueurs et faire en sorte que tout se passe bien pour l'avenir du rugby français. 1885 clubs, un rugby. Punchline, excellent. Fabien qui pose gâteau. BFM TV, s'il vous plaît. Et encore une très bonne formule, Vincent. Qui qu'a dit ? Cet impôt à la source, c'est comme le téléphone portable. Dans Macron. Un an, on se demandera Bert. Comment on faisait avant. Non. Mais non, Vert, il n'est pas Macron. Darmanin. Darmanin, oh, Gérald Darmanin, bien sûr. Non, mais voilà. Voilà. Il dit que finalement, on s'en fait une montagne, mais une fois que ce sera passé, bah, ça se passera bien. Voilà. 5-3, 2030. Ministre de l'Action et des Comptes publics. 5-3, 2030. Eric, 5-2, c'est montage équipe Moscato. 5-3. Question auditeur. Il y a une carotte parce que le petit l'avait trouvé là. Question auditeur. Normalement, c'est 5-4. Steven et Fabien. Ça pourrait aussi être 6-3, si ça on avait accordé 6-3, le premier bien point. Sûr, oui, c'est le premier point, il est 6-3. Hein. Non, le premier point est à nous. Steven et Fabien. Fabien. Dégage, Eric. À l'US Open, quel est le prochain adversaire de Federer? Benoît Père. Bien joué, oui, Steven. Il faut que Marise. Marise, il faut qu'on gagne pour le petit, là. Il est bon, là. Steven, c'est une épée. Fabien, t'es mort. Il est beau, le Vincent, petit, putain. Allez, Eric, c'est ton pote, Benoît Père, ça passe face à Federer? Ouais. Oui, il va le défoncer. Ah ouais, il va le défoncer. Ok. BFM TV. Pose la question. Qui qu'a dit? Oui, j'ai hérité du côté animal de mon papa. Noah. C'est BFM. Ah non, c'est BFM, c'est encore. C'est la fille. Ah, merde. Laura Smet. Laura Smet. Ah, putain, j'arrivais pas à te ressembler. Passe pas décisive de Maryse qui a dit c'est la fille de Johnny Hallyday. Laura Smet, passe décisive. Elle l'avait trouvé la dernière fois. Parce que là, je l'avais pas. Il la sort un peu toutes les semaines, Laura Smet. Elle parle beaucoup en ce moment, elle sort un film. Non, mais elle est sympa. Moi, j'aime bien Laura Smet. Elle est née en 83 comme moi, elle a le même âge, c'est ma génération. C'est la classe, quoi. Elle est jolie, elle ressemble à son père quand même. Elle est très jolie, Laura Smet. 6-4 pour Fabien équipe Moscato, 8-15. Allez, la Golden Carotte peut tomber aujourd'hui. Attention, les amis, accélère. La Golden Carotte. Qui qu'a dit? Ah ouais, franchement, un retour au parc pour voir la nouvelle déco du stade, ce serait top. Guillaume Waro, qui joue maintenant aux Young Boys de Berne avec les Suisses. Bien joué. Et il sera dans Team Duga tout à l'heure. Il était dans Team Duga hier, voilà. C'était une excellente interview. Guillaume Waro. 7-4 pour l'équipe Fabien Moscato. Face à il face, reste 45 on secondes. On attend encore une éventuelle Golden Carotte. Là, tu poses une question sur un mec qui a fait une interview qui va passer tout à l'heure, qui a été enregistré. C'était dans Team Duga hier à l'antenne. Ça va, j'ai compris. Maryse Vincent face à face avant l'éventuelle Golden Carotte. Le 7 septembre 63, Maryse et Vincent, à un moment de la journée, forcément, dans quelle ville se trouvait Eric Dimeco? Avignon. Oui, parce qu'il est né le 7 septembre 63 à Avignon, donc forcément à un moment dans la journée, il était présent à Avignon avec Dimeco, le petit Ricou. C'est une bonne réponse de Vincent Moscato. Non mais si tu n'as pas envie de travailler en ce moment, fais faire les questions par Fleu-Fleu. Hein. J'ai pas envie de travailler. Je vous annonce, Fred Pouillari. Officiellement, Fred est en train de rentrer en studio. Que la Golden Carotte. La Golden Carotte. Et ben, c'est pas aujourd'hui. Victoire de l'équipe Moscato d'Orient. C'est gagné pour Fabien. Fabien, la tablette tactile FFF, c'est pour toi, bravo!